discours, la même envie. Et on reçoit DJ Moir, français producteur de talent, qui nous a fait écouter un titre juste avant. Et Russian Ahmed, straight from. What's going on with your team, 49ers? They're no good, man. I'm kidding. I told you, I'm from Oakland. We have the Raiders, man. The Raiders is no good either. Yeah, voilà. Voilà, Russian Ahmed qui est dans les studios. Je lui disais effectivement que son équipe de football américain, les Raiders, ils ont juste un peu de mal. Mais ça fait bien longtemps. But anyway, we're not here for that. Yeah, man. So tell me one thing. What's going on with your crew, Crunchy Rockers? Do you be on the tour pretty soon? What's going on? We actually, you know, last year we put out a record, and we actually toured like crazy. And you know, right now we're getting our, you know, we're like the Wu-Tang Clan. You know, I'm doing my solo album, Hypnotic. He did a project with Gifted Gab and Latif called The Mighty Underdogs that came out on Def Jux. And now he's doing a solo record that's on Brick Records out of Boston. Our drummer is doing a project with a DJ. This guy DJ Zeph from a crew called the Open Faders, and they're doing a project called Skins and Needles. Keyboardist. So everybody else do their own. Everyone's things. Doing. You know, we come back together and destroy the world. So okay. That's the plan. En tout cas, pour Crown City Rockers, voilà ce qui se passe, c'est que tout le monde est parti un peu faire ses solo albums, comme lui le dit. C'est un peu le Wu-Tang Clan d'une certaine manière. Aujourd'hui, tout le monde est un peu splitté, parti de leur côté pour faire effectivement leur projet. Chacun, lui, en tout cas, il fait son projet solo comme on l'amène en ce moment en studio aujourd'hui sur Génération. Et ils sont tous partis pour revenir pour une prochaine tournée qui va se passer très très bientôt. Donc tenez-vous très très au courant. Toi, Moar, tu vas un peu.